Alors je vous présente cette magnifique scène composée de fleurs à floraison très printanière. On a un prunus, des œillets et des ravissantes campanules. Donc ça continue derrière moi avec ce joli prunus qu'on peut cultiver en pot. Ici cette prime vert étonnante avec son feuillage très découpé et ses fleurs sur des hautes tiges avec un coloris rose mauve absolument délicieux. Sur la table, dans un petit pot, on a une ravissante bruyère avec ses longues fleurs, cet étonnant prunus pleureur absolument sublime, un bambou classique, quelques beaux photinias pour leur touche de jeune feuillage rouge pourpre, encore un beau prunus à fleurs doubles, ce beau magnolia à fleurs pourpres. Alors les fleurs arrivent avant le feuillage, là on voit les fleurs sont en train de faner et les jeunes feuilles commencent à apparaître. Et on termine avec ce superbe prunus, un vrai symbole de printemps.